Bonjour, c'est Lucas, et Nathan, et bienvenue dans Cartouche. Alors non, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. Je suis spécial Cette vidéo fait directement suite à l'épisode sur Freak Squill. Et une plongée dans l'envers du décor. Avant toute chose, on tente d'améliorer en continu le dispositif critique. Et c'est très intéressant de constater que parfois il y a une grande différence entre ce qu'on voulait exprimer et la manière dont c'est perçu. Après avoir discuté avec plusieurs amis et l'auteur de la BD, on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut que Lucas arrête de bouffer des oignons crus. C'est dégueulasse et moi je suis en train de perdre mon odorat. Mais non Continue, continue. Premièrement, le ressenti final face à la vidéo ne reflète pas vraiment notre avis. Quand on regarde le temps consacré aux critiques négatives, il est largement supérieur à celui consacré au développement des qualités. C'est pas clair là. En gros, j'ai un peu fait, c'est vraiment génial, lisez-la, mais il y a des points négatifs, que j'ai développés en deux points, trois sous-parties et une conclusion ouverte. Honnêtement, on s'en est pas rendu compte du tout. Mais une fois qu'on nous l'a dit, c'était une évidence. Un peu comme dans un débat politique, si tu laisses pas un temps de parole un peu égal aux deux parties, tu déséquilibres le débat. Et deuxièmement, j'ai pas assez explicité ce que je pense de la BD. Pour moi, certaines qualités, elle est tellement de soi que je n'ai pas pris le temps de les expliquer avec les exemples qui conviennent. Ce qui déséquilibre d'autant plus le ressenti final. Certaines personnes ont vraiment eu l'impression qu'on cassait du sucre sévère sur la BD. Ce qui n'est vraiment pas le but. Pour nous, les BD qu'on choisit et qu'on présente sont dans leur genre des petits bijoux. Donc, my bad. Tu <laughs> m'étonnes que c'est ta faute, j'ai rien écrit moi. On tenait à dire cela avant de rentrer dans le vif du sujet. Déjà pour être transparent et pour être suffisamment clair. Non mais ils ont compris là, tu peux commencer. Et ouais. Nouvelle musique. Je trouve que Freak Squill est un très bon exemple de bande dessinée divertissante et intelligente. Attention, pour moi, divertissant, c'est pas péjoratif. C'est extrêmement difficile, quel que soit le média, de rendre une histoire drôle, touchante, tout en l'inscrivant dans la durée et en en faisant évoluer les personnages. Contrairement à des BD édifiantes qui ont pour force le fait d'exploiter des situations hors du commun. Espèce humaine menacée, choix moraux extrêmes, que nécessairement le lecteur se dit, wow, mais qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation? et forcément il a envie de voir ce que l'auteur propose le divertissement ne bénéficie pas de cet avantage et doit puiser dans d'autres qualités prenons le cas d'universal war one le scénario défonce mais les personnages sont assez monolithiques et en décrypté ça donne quoi ils sont faits d'un bloc ils sont régis par deux traits la rédemption et un trait de caractère fort courage lâcheté loyauté le scénario de la première guerre à l'échelle du système solaire a des enjeux fous, genre au hasard, la survie de l'espèce humaine. C'est clairement plus addictif que les personnages. Et c'est le parti pris de l'auteur. On ne déteste pas les personnages, mais le scénario a une part prédominante dans le récit. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que je serais intéressé par les personnages d'Universal War One si cela parlait d'une course en vaisseau spatial. Ils ne sont d'ailleurs pas construits pour cela. Tu comptes te faire des amis, toi, en disant que Bajram, c'est pas écrire de personnages profonds J'essaie d'être clair. Non, j'ai compris. Je cherche juste la merde. Le scénario et la narration. Et plus précisément que la narration, tous les moyens mis en place pour nous compter ce scénario sont deux choses très différentes. La BD peut avoir un point fort dans l'un et plus faible dans l'autre, sans que cela entache nullement la qualité de la BD. Le résultat est simplement différent d'une BD à l'autre. Et pas pas un exemple pour nous illustrer ça Justement, la série Trapped et la série Broadchurch nous offrent un bon exemple, deux séries où un meurtre a lieu dans un petit village littoral. L'une se déroule en Islande et l'autre en Angleterre. Pour Trapped, l'accent est mis sur le scénario qui n'est ni meilleur ni moins bon que celui de Broadchurch. Pour Broadchurch, c'est surtout ses personnages qui sont mis en avant. Les deux séries sont super. Mais malgré beaucoup de points communs, on ne ressent pas du tout la même chose au visionnage. Rien n'est fait pour nous rendre les personnages sympathiques dans Trapt. En résulte une série aride où le climat glacial affecte chaque morceau de la narration. À avoir si peu d'attaches émotionnelles, le spectateur est malmené, comme le personnage principal pris dans son enquête. Dans Broodchurch, c'est l'inverse. On est tellement proche des personnages que c'est un renoncement à chaque nouvelle péripétie. On aimerait presque ne pas en découvrir davantage, tant ces secrets viennent bouleverser ce qu'on savait des personnages. De très bonnes séries qu'on recommande chaudement pour un petit marathon série de qualité. Donc, dans Freaksquill, l'accent est mis sur les personnages et c'est vraiment bien, car tout le monde n'est pas capable de nous narrer des personnages si attachants qu'on prendra plaisir à les retrouver dans un peu toutes les situations. Cette BD possède des qualités plus importantes qu'une simple histoire sympa. Les qualités l'emportent largement et ça me semble important de dire qu'une BD n'est pas juste une bonne histoire, mais qu'il y a plein d'éléments qui bien réussis en font un récit attachant. La BD laisse la part belle aux personnages, on pourrait croire à un énième récit sur l'entrée dans l'âge adulte avec des héros adolescents qui découvrent ce qui les animera dans leur vie future, mais ce n'est pas le cas. Ouais, il y a des thèmes qu'on a déjà vus ailleurs, mais quand Tarantino fait un film sur un braquage, bien évidemment que c'est un sujet déjà exploité. Ce qui rend Reservoir Dogs inoubliable est entre autres la qualité des dialogues. C'est putain de bien écrit et bien incarné. Donc un sujet original n'est pas forcément ce qui compte, mais la manière de l'écrire change tout et fait la différence entre une œuvre perdue parmi d'autres, qui peut d'ailleurs être très bien, et celle qui sortira du lot. Freaks Quill sort du lot pour ses personnages très bien incarnés, avec un background fouillé, une inscription dans le quotidien des personnages, une volonté que tous les lecteurs puissent s'identifier, et des références pop. Oui oui, ça tu l'as dit dans l'épisode précédent, tu vas pas recommencer. Le deuxième point dont je voulais reparler, c'est que la BD a du cœur. Je dis dans la première vidéo que l'auteur y croit et que ça se ressent, et pour moi c'est un point important. C'est une BD sans originalité mais il s'accroche. Non, absolument pas. On a tous en tête un manga et généralement un shonen qu'on a lâché en cours de route. Bien souvent, c'est que la narration a fini par battre de l'aile. Sur le papier, le scénario est bon, mais on sent une baisse de régime. On sent qu'on est moins excité par la sortie du prochain tome. Dans Frick's Quill, ce n'est pas le cas. On sent que pour l'auteur, c'est un truc important dans lequel il a beaucoup investi et qu'il nous fait partager. Et croyez-moi, vu nos discussions, il y tient à ses personnages et à son histoire et ça transpire dans tout le récit. On sent cette part d'âme en plus. Je pense même que c'est une des œuvres où cela m'a été rendu le plus palpable. L'auteur ne nous présente pas simplement une histoire qu'il a imaginée, mais un univers personnel auquel il tient. Cette part d'âme dans le récit, quoi qu'on en dise, cela se ressent, et je pense que les lecteurs ne s'y trompent pas. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode un peu spécial. Je voudrais remercier Florent Maudou pour le temps qu'il a consacré à nous répondre sur plusieurs jours, dans ce que je suppose être un emploi du temps plutôt chargé. C'était super cool d'échanger avec lui, même si on ne partage peut-être pas certains points de vue. Ouais, ça nous a fait du boulot en plus quoi. Bonne lecture et à la prochaine